Alors, aujourd'hui, la question concerne Facebook. Elle m'a été posée par une personne qui avait remarqué qu'en fait, le nombre de ses fans avait baissé considérablement et elle ne savait pas pourquoi. Alors, premier élément qu'il faut vérifier, c'est est-ce que vous avez mené une campagne d'achat de fans? Parce que malheureusement, aujourd'hui, certains ne le savent pas, mais ce genre de campagne où on vous promet 10 000 fans, 20 000 fans, très souvent, ce sont de faux fans. Ce sont des profils qui sont faits spécialement pour cela. Et derrière cela, il n'y a personne, il n'y a pas d'humain. Facebook fait de temps en temps d'un beau nettoyage et supprime et désactive tous ces comptes, tous ces faux comptes. Du coup, vous vous retrouvez avec une chute libre. Mais si le nombre de vos fans a baissé, mais de manière assez régulière, tous les jours vous en perdez 2, 3, alors là, j'aimerais vous dire, posez-vous la question, qu'est-ce qui pousse un internaute à venir sur la page, appuyer sur le bouton fan et dire je ne veux plus aimer cette page. C'est que vraiment, vous l'avez agacé. En général, c'est ça. Donc, soit vos publications, c'est plus spam qu'autre chose, vous en faites trop. Vous savez qu'aujourd'hui, il est conseillé de ne pas dépasser les 2 publications par jour si vraiment vous faites dans l'actualité ou que vous avez des offres toutes les 3 secondes. Sinon, une publication, c'est vraiment beaucoup. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, peut-être que vos publications ne lui apportent aucune valeur. Les fans, ils pensaient que vous alliez lui apporter quelque chose et ils se rendent compte que la page Facebook n'a vraiment aucune utilité. Dans ce cas-ci, bah, il va se dire, je vais supprimer, ça m'évitera de vous voir. Donc, l'élément majeur, hein, je dirais la plus grosse faute hein, qui pourrait causer ce genre de constat, c'est évidemment de créer une page qui n'a pas d'objectif et qui ne répond pas à une utilité. Ça, c'est un élément. Et deuxième élément, et il est évident qu'il faut que vous trouviez le bon rythme de publication. Et si vous jouez sur ces 3 éléments, eh bien, vous allez voir que normalement, le nombre de fans devrait rester stable et augmenter et non baisser. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.